prête. Love the chase and the hunt, and I said. L'idée, c'était d'upgrade. De passer à un autre niveau. Après avoir défini le but, la vision, ton objectif, ben il faut planifier. Puis ça a parti quand je suis allé chercher le programme d'entraînement sur le site du marathon. Puis ça, c'était gratuit. Moi, j'ai pris dans le fond la version débutant et non avancée parce que c'était mon premier marathon. Je voulais découvrir ça. À chaque semaine, il y avait des entraînements, 4 ou 5 courses. On a joué dans différentes zones d'intensité. Fait grosso modo, tout ça, ça m'a transporté vers être en shape pour le marathon. Genre, ma capacité cardiovasculaire était là. Si t'arrives pas à entraîner un marathon, c'est dangereux. Et puis là, arrivent aussi les stations d'hydratation, ok? Quand tu cours, dans le fond, t'as besoin d'électrolytes, de l'eau puis des glucides. Mais faut que tu aies la bonne concentration de chaque pour bien performer. C'est ça qui est dur, c'est jongler à travers ça, puis d'essayer de savoir ce que ton corps a besoin. Moi, genre, heureusement, ça s'est vraiment bien passé, mais je pense que pour plein de personnes, ça se passe pas comme ils veulent. Puis moi aussi, prochainement, si je me réinscris à un marathon, je vais peut-être pogner une crampe ou je vais avoir des ballottements dans mon estomac, il va falloir que j'aille aux toilettes. Moi, j'avais vraiment peur que ça arrive, mais finalement, j'ai fait ma job puis j'ai bu les bonnes affaires au bon moment. C'était parfait. Je m'étais inscrit dans le fond les stations que j'allais faire sur mon bras. Fait que ça, à chaque station, tu sais, je checkais, ok, si tu décides que j'arrête, non. Comment j'ai fait ça? Ben, celui qui donnait les produits sportifs, c'était la compagnie Sparks, donc une compagnie de nutrition sportive. Je suis allé sur leur site parce que sur le site du marathon, ça disait pas le nombre de glucides, le nombre de sodium, tu sais, ça disait pas ça. Fait que moi, je suis allé sur le site de Sparks, j'ai checké ce qu'on allait avoir. Le gel isotonique, tu sais, c'est genre 100 calories, 20 22 grammes de glucides, puis après ça, mettons, la poudre d'électrolyte, il y avait des gels, puis il y avait dans le fond de l'eau avec de la poudre d'électrolyte dedans. Fait que quand il y avait ça, dans le fond, ça c'était genre 136 calories, puis 360 mg de sodium, 31 grammes de glucides. La faille, c'est que j'ai fait vraiment un ajustement direct au début, parce que je m'étais dit ça, c'est pour une portion, donc une scoop. Mais moi, j'étais comme, je pense pas qu'ils vont mettre une scoop dans chaque verre, là, t'sais, pour chaque personne qui passe, j'étais comme ça va coûter bien trop cher. Fait que, comme de fait, t'sais, j'étais arrivé, puis t'sais, j'ai pris un verre à la première station, mettons, ou deuxième que j'ai arrêté, ils ont à 9 kilos, selon mon bras que j'ai pu, ils ont à 9 kilos. Puis là, j'étais genre, tu goûtes ça? Puis moi, je marchais tout le temps. Chaque fois que j'arrêtais, je marchais pour vraiment bien boire, prendre mon temps. Ça me donnait une petite pause de 15-20 secondes. Après ça, on repartait. Mais donc, j'ai su goûter la concentration tout de suite. Fait que là, j'étais genre, c'est pas tant concentré que ça. Donc là, je le savais, ça, je l'avais déjà un peu prévu avant de courir. Ça allait faire en sorte que j'allais prendre toutes les gels. Puis les stations d'électrolytes, ben, je vais tout le temps prendre
pas juste de l'eau, ok? Tout le temps de l'eau avec les électrolytes parce que c'est pas une concentration élevée. Fait que je pognerai pas de crampes. Ça, je le savais. Alors donc, en prenant les trois gels, ça m'a vraiment permis d'avoir l'énergie nécessaire. Puis, boire de l'eau aussi, je pense que ça, j'ai fait ça comme une fois, là, mais pas un verre au complet, parce que je savais que ça allait diminuer ma concentration d'électrolytes. Puis, vu que les verres de Sparks n'étaient pas assez concentrés, je me suis dit que ça servait à rien de prendre de l'eau pour genre diminuer ma concentration, pour pas que ça soit trop élevé. En tout cas, bref, j'ai gaugé avec tout ça. Donc, c'est vraiment d'écouter son corps, de se connaître. Puis, tu sais, moi, c'était mon premier. Fait comme j'ai genre mes petites connaissances que j'ai vues genre sur les réseaux sociaux, puis genre Nick Bear que je suis, que lui il donne ses recommandations, puis à telle autre place, Huberman, whatever. Mais tu sais, c'était mon premier. Fait que je sais pas comment mon corps allait réagir. Moi, j'étais sûr là, qu'en goûtant à Sparks, il y a un nouveau produit que je me suis même pas préparé avec, que genre j'allais avoir envie de chier à 22 kilos, genre. Mais non, même pas, non, finalement, là. Oh, un, man. Donc, c'est ça, voilà, là. Je sais que c'était une explication quand même assez élaborée de genre comment faire son plan de ravitaillement pendant un marathon. Mais c'est vraiment utile, là, si tu veux pas, genre, pogner de crampes ou de ballottement dans ton estomac. Ah, 7h30. Ah, un samedi matin, je suis allé faire un speed workout, pis là, ben, ouh, je sais pas, que j'ai mangé pourtant mon fucking Power Bowl pour déjeuner. Là, je sais pas, genre, j'étais en train de faire mon speed workout, je suis pas à courir, pis je suis là, oh, tabarnak. J'ai fait, là, j'étais rendu à 5,43 kg, man. Je suis revenu chez moi, les bigs, pour domper, ouf. Hey, sérieux, là, ça, dans ma bedaine, ça, c'était capoté, c'était genre une tornade. Ouais. Fait que là, on va recontinuer la course. Let's go! C'est utile. Fait que genre les précieuses minutes que je viens d'expliquer, réécoute ça, genre rewind ça, ok, juste pour être sûr que tu as compris ça, parce que c'est important. Genre c'est oui, ça peut être plate au début, mais c'est important. Fait que écoute ça. Et ensuite est venu le temps d'exécuter. Hey, moi, je te dis, j'étais genre un enfant content, là, man. Quand il y avait du monde, et c'est tellement beau, genre Montréal, tu sais, ça nous faisait visiter les rues qui étaient belles. La rue Notre-Dame, là, c'est vraiment, je trouve, c'est un riche patrimoine, là. Genre, toutes les bâtisses qui sont là. La rue est faite en pavé, genre, d'anciennes pierres. C'est vraiment beau, là. Un riche patrimoine, là, qu'on a à Montréal. Fait que de découvrir tout ça, j'ai vraiment aimé ça. Hey, moi, man, je me promenais. J'étais pas focus sur la course, j'étais quitte tout autour de moi. Puis quasiment chaque kilomètre au début, il y avait du monde qui encourageait. Là. Genre, sérieusement, là, ça, j'étais un peu écœuré. Honnêtement, genre, là, j'étais comme une crise. À 5, à 10 kilos, quand ça faisait genre 10 fois que tu te faisais applaudir, puis let's go. Là, j'étais comme tabarnak. 40, ça va être long, tu sais. Quand tu repenses à ça, même si sur le moment, des fois, tu te dis, hey, esti, ça gosse, tu sais, c'est le fun. Pis le monde sont là, pis tu sais, quand t'arrives dans la petite Italie, man, il y a des pancartes, pis les madames t'accueillent, pis sont genre, bienvenue à la petite Italie, pis genre, ben pas juste des madames, là, mais genre, tu sais, des gens, man, pis ils t'accueillent, pis sont genre, hey, bienvenue chez nous, à Laval, quand on t'est rendu au bout de l'île, même chose, bienvenue à Laval, tout, pis tu sais, les gens sont fiers des coureurs, genre, pis... T'sais, c'est vraiment un bel événement, puis la température, man, waouh, tu sais, genre le soleil et tout, c'était, genre, sérieusement, là, c'était génial. Comme première expérience, là, j'aurais pas pu avoir mieux que ça. Donc là, je fais ma course, puis là, je me déplace vers le long de la ligne d'arrivée, puis là, genre, le dernier 3 km, là, même, je dirais, de 36 à 42, là, ça, c'était rough, là, tu sais, là, genre, sur le mental, là, c'était capoté, tu sais, même à un moment donné, à la fin, tu sais, j'étais à 42,2 sur ma montre, puis là, j'étais comme, man, hey, où la banderole, là, hey, où la ligne d'arrivée, là, genre, on est là, mais non, esti, genre, justement, quand t'arrives à, il reste, genre, 200 mètres à courir, c'est un autre asti de pente à monter, man, en ciment, genre, je sais pas c'est quoi qui allait là, une zamboli ou quelque chose, mais faut que tu montes ça, toi. Hey, là, man, moi, j'étais genre, ah, oh, fuck it, might as well make the most out of it, hein, comme elle m'a dit, man, je suis parti à sprinter, man, la connerie. Puis, ah, oh, man, c'était le finish, big, j'ai l'adrénaline que j'avais, man, j'étais comme, wouh, genre, on me sentait comme, genre, Superman, là, c'était malade, là. Je franchis la ligne d'arrivée au final, puis là, on monte des marches, puis
Rendu au moment de monter les marches, là, faut que je fasse la file pour récupérer genre mon yogourt, mon lait au chocolat, une bâtante, puis des Welsh, là, un sac de bonbons, genre. C'était ça, les collations d'après compétition. Je m'arrête, genre, une seconde de marcher, puis tout de suite, genre, ma jambe, genre, il y a quoi qui me pogne ici? Là, j'étais genre, oh, fuck! Là, genre, j'ai recommencé à marcher tout de suite, là, genre, hey, c'était capoté, parce que aussitôt que j'ai arrêté de marcher, là, genre, c'est comme si, genre, je sentais 1000 crampes qui allaient me pogner en même temps. Mais là, genre, j'ai pas eu des crampes, là, parce que j'ai continué à marcher tout de suite, là, c'était juste une seconde, genre, que j'ai fait, oh, tabarnak, il y a de quoi ici? Mais donc, c'est vraiment ça, genre, c'est le après, j'ai réalisé que le après-marathon, il est 1000 fois plus décalissant que le pendant. Sérieusement, là, c'est quand tu marches après, man, que t'es genre, tabarnak, oh, si bon, qu'est-ce qui se passe? Hey, là, il faisait soleil, man. T'sais, genre, moi, j'étais comme Chris. T'sais, genre, le monde, là, ceux qui t'applaudissent, genre, sont tous contents, tout, t'es genre, tabarnak, qu'est-ce que j'ai viens de faire, man? T'as juste le goût de pogner ton sac, de crisser ton camp, genre. Mais c'est, ah non, ça faisait mal, là. C'est vraiment une madame, c'est ça qui m'a dit à l'arrivée, genre, hey, yes sir, bienvenue dans le club des robots. Puis je l'ai compris tout ça, parce que c'est, tu marches de même, là. Écoute, c'est capoté, là. Genre, le monde, ils ont de la misère à marcher, là. C'était drôle, là. Là, le lendemain, après ça, hey, t'es raqué, là, genre, plus raqué que n'importe quel leg day que j'ai fait, là. C'est pour cette raison-là, justement, qu'un marathon, je mettrais ça le samedi, pour que, genre, le dimanche, tu puisses récupérer, puis que tu repartes ta semaine du bon pied. Parce que là, le fait de faire ça le dimanche, crime, tu commences ta semaine, puis t'es tout croche, t'es genre, câlisse, t'sais, c'est comme, c'est bien le fun de rentrer à job, puis de dire, hey, j'ai couru un marathon, mais genre, t'es pas bien, t'es comme, t'es en train, là, de te remettre sur pied, là, puis c'est tough, j'étais pas bien, j'étais pas à 100% lundi. Ce qui m'a le plus frappé de cette expérience-là, c'est que, v'là 2 ans, j'haïssais ça, courir. Genre, vraiment, dans ma tête, je suis asti de courir, c'est plate. Faut que tu franchisses cette première barrière-là, okay? Parce qu'au début, chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau, c'est déplaisant. Et t'es pas bon, il y a de quoi. Faut que tu franchisses cette barrière-là. Puis là, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre. Puis petit à petit, genre, ça s'agrandit. Tes distances, t'es meilleur, ça t'encourage plus. T'es plus motivé, puis même quand t'es pas motivé, ben t'as plus de discipline pour combler ce manque de motivation-là. Grosso modo, là, je vous le dis, on est capable de plein de choses dont on ne croyait pas qu'on était capable. J'ai vraiment aimé cette expérience-là, puis j'espère que ça vous donne envie de vous challenger vous autres aussi, puis de juste vous faire croire que vraiment tout est possible, parce que tout est possible. Sur ce, merci d'avoir écouté.